grand parquet de Fontainebleau. Nous sommes dimanche et dimanche, c'est jour de finale. On vient d'assister il y a quelques instants à la remise des prix du cycle classique des 5 ans, remporté par Nespresso, un petit peu à la surprise générale. Et à la troisième place, nous avions Jessica Michel avec So Secret. Bah, figurez-vous qu'on a fait une petite expérience lors de l'épreuve préliminaire avec Alban Tissot qui nous a un petit peu décrypté ce que les juges recherchaient dans une reprise de dressage. On a attendu le dernier moment pour vous la proposer pour ne pas fausser éventuellement les résultats de cette finale. On vous laisse voir ça. Alban, on va assister à la reprise préliminaire des 5 ans avec Jessica Michel, cavalière expérimentée qui a fait les Jeux Olympiques et donc un jeune cheval. Et surtout, beaucoup de fois, les championnats du monde des jeunes chevaux. Exactement. Donc, en tant que juge, qu'est-ce que vous allez regarder pendant cette reprise préliminaire? Alors, dans les 5 ans, on commence à parler de rassembler. Donc, le début du trot, c'est du trot de travail. Et très vite, on arrive dans le trot rassemblé. Il y a 5 notes à mettre. Donc, la note du trot, la note du pas, la note du galop, la note de disponibilité qui inclut la soumission et la souplesse, et la note de perspective. Donc, quelles sont les perspectives qu'on pense pour l'avenir pour les chevaux. Donc là, elle va commencer le travail au trot. Donc, bien évidemment, la première chose qu'on va regarder, c'est la régularité du trot. On va regarder l'élasticité du trot, on va regarder l'impulsion, l'engagement des postérieurs, la souplesse du dos, comment le cheval bouge dans tout son corps, la qualité du contact, est-ce qu'il est stable sur la main, est-ce qu'il y a des petites résistances ou pas. Comme là, on avait une petite instabilité, donc ça, on va en tenir compte un petit peu. Mais là, globalement, on a un trot très actif, hyper régulier, avec beaucoup de souplesse. Le cheval utilise bien sa ligne du dessus. L'engagement des postérieurs est assez bon. Mais là, on n'est encore qu'au trop de travail. Il n'y a pas un protocole qui est dessiné. Là, on est en préliminaire, on est le cavalier a organisé sa reprise. Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a que la préliminaire 4 ans qui est comme ça. D'accord. À partir de ça, c'est un texte FEI. D'accord. Donc, c'est le texte qui est déroulé partout dans le monde, y compris au championnat du monde. Voilà, là, elle a un reculé à faire. Donc, on regarde que les pas soient bien diagonalisés, réguliers, ce qui était le cas. On a une petite résistance dans l'entrée du reculé, mais qui est là encore mineure. Là, le pas. Donc là, la première diagonale, c'est du pas moyen. Et la deuxième diagonale, BK, ça va être du pas moyen en laissant le cheval se déplier sur des rênes plus longues. Donc là, le pas, on regarde évidemment le rythme, que ce soit bien un pas à 4 temps, ce qui est le cas. L'engagement, l'amplitude, la liberté des épaules, la souplesse du dos, comment le cheval utilise son corps, utilise son dos. Voilà, là il se déplie correctement, on a un engagement qui est assez bon. Voilà, là il faut qu'elle reprenne les rênes. Donc là quand elle reprend les rênes, on va regarder que la qualité du pas reste et surtout que le pas reste bien à 4 temps. Et là elle part au galop. Donc le galop, même chose, le rythme, bien clairement à 3 temps. Est-ce qu'il est dans un bon équilibre, ce qui est le cas? Est-ce qu'il est montant, ce qui est le cas? Là on a un galop moyen sur un demi-cercle. Chose très compliquée à faire, ça c'est très joli. On voit hein, le cheval a vraiment une belle amplitude, une très belle liberté des épaules. On a toujours ces toutes petites résistances, on a un contact d'un cheval qui n'est pas toujours stable sur la main, mais qui montre vraiment une belle qualité de galop. Là on a un demi-cercle, on a un petit bout de contre-galop, et elle doit faire un changement de pied de ferme à ferme entre S et H. Donc changement de pied de ferme à ferme, une transition au pas, qui est très bien faite, quelques foulées de pas, et repartir au galop à droite. Ça, c'est un très joli ferme à ferme. Donc là, le ferme à ferme, tout ce qui est technique, rentre dans la disponibilité, et même chose, pas dans la note de l'allure. Globalement, avec ce cheval, on a vraiment trois allures qui sont dans le bien, avec pour moi le galop qui est le highlight de la reprise, le pas un petit peu moins, et le trot qui est aussi dans le bien. Et là, on a un demi-cercle avec un stretching, donc le cheval doit se déplier dans l'encolure en gardant la même régularité, la même cadence, le même rythme, ce qui était le cas. Et là, la reprise des rênes, on veut voir pas de résistance à la reprise des rênes, là aussi, ça a été le cas. Voilà, globalement, c'est vraiment une très belle reprise, bien présentée, mais ça, Jess sait faire. On a juste eu voilà, des petites instabilités de ci, de là, mais qui sont pour moi des fautes mineures aujourd'hui. Et alors, particularité aussi, c'est que c'est très pédagogique parce qu'il y a le débrief du juge tout de suite. On va avoir le débriefing du président de jury qui va donner donc tous les commentaires et les notes en expliquant pourquoi telle note ou trop, pourquoi telle note ou pas et ainsi de suite.
Voilà. Oui, c'est pédagogique dans le sens où les cavaliers doivent respecter l'échelle de progression. Et donc, nous, on juge suivant l'échelle de progression. Et donc, voilà, il va expliquer suivant cette échelle, si tout a bien été respecté, pourquoi, comment, etc. Le fait d'avoir une cavalière aussi expérimentée que Jessica, il y en a d'autres cavalières très expérimentées ici à Fontainebleau, c'est un vrai atout, j'imagine, pour mettre en valeur les chevaux. Oui. Et voilà, Jess, elle connaît vraiment ça, elle en a dressé énormément. Donc voilà, c'est une vraie professionnelle des jeunes chevaux. Et donc elle sait comment les présenter, elle sait ce qu'on veut voir, elle sait comment on veut voir les chevaux. Voilà, elle a une vraie expérience et un vrai professionnalisme pour ça. On devrait retrouver ce couple. On devrait le retrouver dans la finale directement, je pense. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous en prie, une bonne journée à vous. Merci.